Chaque jour, nous vérifions le registre pour voir ceux qui ont honoré au rendez-vous. Si certains n'ont pas honoré, on appelle pour leur demander pourquoi ils ne sont pas là, ils nous donnent rendez-vous. Si on constate que les numéros de téléphone ne passent pas et que nous avions dans le registre, nous écrivons toujours le lieu d'habitation de l'enfant, c'est là où on lance dans les stratégies avancées pour aller récupérer les enfants pour qu'au maximum les enfants reçoivent leur vaccination. Maintenant, nous allons plus nous attarder sur la polio parce que nous sommes en épidémie. Déjà, dans le programme, on constate qu'un enfant qui est dit protégé contre la poliomyélite doit recevoir ses 4 doses de polio lors du BCG, lors du Penta 1, Penta 2 et Penta 3. Ça fait 4 doses. Et je suis très fière de parler aux mamans. Ça me va droit au cœur quand une maman protège son enfant, sachant qu'elle protège son enfant, mon enfant sera aussi épargné. Et c'est ça qui donne ma joie dans le service de vaccination.